Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que si vous les reproduisez en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Voici le moment de l'hymne national polonais. C'est impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Il y a de bonnes chances que ce soit Edin Dzeko. Un attaquant grand et solide, qu'on trouve facilement dans la surface et qui marque souvent des buts importants. Oh, je ne vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Voilà, on y est. Début de la rencontre. La Bosnie-Herzégovine qui peut avancer. Allez. Bezic. Grosicki. Krikoviak, Grosicki, le ballon s'en touche. Bezic qui écarte le jeu. C'est joué long. Il y aura donc touche. Le centre devant le but. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Glick. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Krikoviak qui cherche une solution. Le centre est tendu. Passe interceptée. Kolašinac. On a deux équipes très prudentes jusque-là. Avec Bezic. Krikoviak. Un long ballon vers l'avant. Quelle fait du bien cette interception. Bezic. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. Thank you.
Perisic. Ça va sur l'aile. Oh, quel geste! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Bien joué, ça. C'est bien fait, ça. Toujours pas de but dans ce match. Allez, hein. Faut tirer là! Chechny, superbe arrêt! Oh, c'est un arrêt important, ça! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. La tête! Oh, l'énorme occasion de la tête! Dzeko, Bezic, Glick, Dzeko, la défense tient bon, et la touche maintenant. Il choisit la profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Il accélère côté droit. Et le centre, quelle occasion, attention! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Krikoviak. La passe en profondeur. Lewandowski. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Je n'ai pas compté. Oh, quelle frappe! Pousse un gros ouf de soulagement. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Kolašinac. Et si aucun but n'a été marqué, c'est surtout par manque d'efficacité. Bezic. Le jeu repart vers la droite. C'est parfait, magnifique. Il est en bonne position pour centrer. Le bon dribble. Centre. Ce contre peut très bien aller au bout. Pjanic, qui est récompensé de son pressing. Il cherche la profondeur. Il a du champ sur le côté. Le centre est parti. Avec Bezic. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Zielinski à droite. Et il redonne derrière. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il est lancé sur l'aile. Le bon appel du défenseur. Il est bien placé. Énorme occasion!
Ça défend comme ça peut. Dzeko. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Qu'avez-vous pensé de cette première période? On voit de bonnes séquences avec des joueurs qui seront disponibles et qui participent activement à la construction. Le jeu de passe est intéressant, même s'ils n'ont pas encore trouvé la fin. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. J'espère bien que ça ne se terminera pas sur ce score. Ce serait bien triste. Rosicky. Krikoviak. Il peut tirer. Oh, la frappe! Et ça fait but! Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! Ça, c'est du boulot. Quand il lui remet le ballon, il y a presque but déjà. On y est, le compteur est débloqué. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à la pause, mais ça a bien marché en tout cas. Et les voilà devant. Il est passé. Et ce ballon devant le but. Pjanic. C'est joué long. Peut-être une occasion pour Dzeko. La passe est précise. C'est bien fait. Bien travaillé dans la surface. La tentative. Ça fait but. Et ils sont de retour dans cette rencontre. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but. Le jeu reprend sur un score de parité. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Il change d'aile. D'une aile jusqu'à l'autre. Glick. Il change le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, quel geste! Là, il peut centrer! Bien tenté. Krikoviak. Dans l'axe! Qui est le premier sur ce ballon? Oui, il peut frapper, là! Le but pour la Pologne! Yes, 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 yes! Et il passe devant! Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait.
Les voilà avec un petit but d'avance. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Et ils essaient de repartir de derrière. Le long ballon à l'opposé. Ce sera une remise en jeu. La passe en retrait vers son défenseur. Jolie accélération sur l'aile droite. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Il ne se pose pas de questions. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il récupère le ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon dans la profondeur. Ça va atterrir dans l'axe. C'est dégagé très loin et se fait pardonner. Avec Bezic. Bezic. Le bon centre. La Bosnie-Herzégovine qui tente de belles choses là. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Ouverture lumineuse. Krikoviak qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Peut-être une occasion pour Dzeko. Il joue sur sa gauche. Ça passera sur le côté. La longue passe. Rosicky. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Il s'échappe côté droit. Elle continue sa course. Il centre dans la frappe. Ça rentre. Yes, go. Oh, ce but au meilleur des moments possibles. Centre, reprise de volée, but, bon sang, monsieur, dame. C'est de la classe à l'état pur. Quel geste, quel talent. Les voilà avec deux buts d'avance. Il change le jeu. Pour Kolasinac. Il met le ballon dans la surface. Le bon dégagement. Le ballon piqué sur le côté. Encore un centre. Un peu d'air pour la défense. Ça va sur l'aile. Kolasinac. Le ballon dans la surface. Rosicky. Mais il va être sanctionné. L'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer.
Il a stoppé l'attaque adverse. Bezic. Sunic. Sunic qui allonge. Touche donc. On va jouer 2 minutes de plus. Belle passe lobée. Il a tenté, bien joué. Il relance côté droit. Quelle inspiration! Et bon centre. Oh, le bon timing de la tête! Et voilà, but! Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Quelle tête! Mais quelle tête! Et il fallait du courage pour la tenter, mais il réussit parfaitement son geste. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. Trois buts. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Puni aujourd'hui d'avoir abandonné le ballon à leurs adversaires. Tactiquement, il faut tout remettre à plat. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ah, ils ont concédé bien trop de centres et ils n'ont jamais réussi à régler le problème. Au final, je pense qu'ils perdent à cause de ça. Il va falloir changer quelque chose quand même. Les joueurs ou la tactique, je ne sais pas.